Bienvenue dans l'épisode 3. Donc l'épisode 3, on finit de coller les rails de la gare cachée sur le liège. Les soudures de chaque coupure de rails entre aiguillage et grande ligne. Branchement de la boucle de retournement. Et puis ça sera déjà pas mal. A tout de suite. Pour pouvoir bien aligner mes voies les unes aux autres, notamment au niveau de la gare cachée et plus tard au niveau de la gare terminus du niveau supérieur, je me suis fabriqué un gabarit avec un anthrax de voie de 55 mm. Donc lorsque j'ai positionné mon premier rail, collé mon premier rail, en l'occurrence celui-ci, lorsque je veux mettre le second à côté, en fait j'utilise mon anthrax. C'est-à-dire que je mets mon gabarit, je positionne le rail d'à côté au niveau des trous que j'ai fait au niveau de l'anthrax de 55 mm. Et ensuite, j'ai juste à pousser mon gabarit. Comme ça, le second rail se met automatiquement à côté et bien aligné. Voilà. Bon, je fais un ou deux passages. Et ensuite, je mets des épingles pour le fixer. Et ensuite, j'ai plus qu'à en coller. On va tester ensemble la boucle de retournement que je viens de connecter. Donc, j'ai mis le X2400. Et on va tester la boucle. Hop, ici les éclisses isolées. On va voir ce que ça donne. Premier passage, ça passe. Deuxième passage. Ça passe. Retour gare cachée. Retour sur la future hélicoïdale. Nickel. Super. Voilà, toutes les voies sont connectées, reliées, électrifiées. Et tout fonctionne. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 3. On se retrouve très bientôt pour bosser sur la rampe hélicoïdale qui fera un tour et demi et qui montera avec une rampe jusqu'à l'autre bout du réseau pour arriver sur la gare terminus. À bientôt et merci.